Salut tout le monde, c'est Usu, j'espère que vous allez bien. Et si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui pour notre 31e épisode sur sport. Et aujourd'hui, nous allons tester un nouvel outil, si nous pouvons en avoir un pas trop cher. Donc c'est ce que nous allons faire, nous allons partir à la recherche de cet outil pas trop cher. Pourquoi ne le veut-on pas trop cher? Parce que c'est chiant d'acheter des outils chers, simplement. Vous voyez ici, on a quand même une mini-route qui nous rejoint, mais ce sera pas... C'est pas ce qui est le plus utile pour se déplacer, quoi. Regardez la route. C'est pour ça que ceux-là seront des objectifs, hein, et qu'on pourra par exemple placer quelque chose ici. Dans l'objectif de trouver peut-être d'autres alliés dans le coin. J'ai l'impression que ceux-ci peuvent nous fournir ce que nous cherchons. Je dis pas tout de suite ce que c'est. Salutations, commerce. Non. Parce que si on l'achète dans notre empire, ça coûte très cher. Mais quand je dis très cher, c'est très cher. Donc actuellement, on va aller faire le tour de nos planètes. Essayer de récolter des épices, se faire un peu d'argent pour pouvoir s'acheter de l'outil chez nous. Vu que les deux alliés que l'on a interrogés n'ont rien. Si c'est des planètes assez peu utilisées, hein, on va aller voir celle-ci, je la sens bien. Voilà, il fallait. Je la sentais bien, je l'avais dit. Donc de ce côté-ci, je pense pas qu'on s'étendra tout de suite en tout cas. On s'étendra de l'autre côté, oui. Hein, vers le centre de la galaxie, bien sûr, c'est notre objectif de visiter le centre de la galaxie. 30 000. Donc voilà. Quel est l'outil dont je souhaitais vous parler? C'est celui-ci. On va l'acheter. On se l'équipe, je ne dis pas ce que c'est. Voilà. Et nous continuons à vendre des trucs vu que nous allons également établir quelques colonies par-ci par-là. Non. Je veux au moins 10 000 pour une épice. Du coup, on va pas se laisser avoir. Il nous faut pas mal d'argent, il nous faudra plein de colonies du coup. Voilà. Avec ça, on pourrait s'acheter une colonie. Donc vous voyez, c'est pas énorme. Hein. 35 d'épices. Là, c'est bien. Mais il n'achète rien. Ici, normalement, ils achètent des objets assez chers. 13 000 pour l'épice. Voilà, donc vous voyez maintenant, ça va assez vite. Hein, vu qu'on a beaucoup de planètes, ça veut dire qu'on se fait beaucoup d'argent. Et beaucoup d'argent, beaucoup d'outils rapidement en tout cas. Celle-ci, on l'a faite. Celle-ci aussi. On va aller voir celle-ci. Hop, salutations, commerce. On peut vous le vendre. Non. Pas assez, pas assez. Désolé monsieur, je refuse. On a double capitale qui produit très peu d'épices, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Peut-être qu'on y passe souvent aussi, ça pourrait jouer. Salutations, est-ce que vous voulez de l'épices? Ouais, allez. Vous, on vous fait cadeau. Hop, vendre, au revoir. Et donc maintenant nous allons utiliser notre outil. Donc ça fait quelques minutes que l'épisode a commencé, on a fait... je vous ai laissé assez de suspense. Déjà on va récolter 7 épices. Pourquoi celle-là? Parce qu'elle vaut très cher. C'est de l'or en barre. Et donc pour y aller, on va devoir un peu voyager. Dans la route que nous avions empruntée la dernière fois. Ah, ici. Qui êtes-vous? Hop, on va aller leur faire coucou. Sinon ils vont pas nous aimer. Déjà qu'ils nous aiment pas, ils nous considèrent comme comme en guerre. Bon bah on va aller faire une petite guerre pour commencer. Ah, vous voulez la guerre? Eh ben, vous allez découvrir qui nous sommes, hein, par la guerre. Hop.
Ah, désolé, c'est vous qui avez commencé. Vous nous avez considéré comme ennemis quand nous sommes passés vous dire bonjour. Ah là là, les jeunes empires. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Hop, destruction. Ils seront très fâchés, mais ils ont raison. Hop. Ça va, leur ville, je pense, est heureuse malgré les destructions. Hop, juste pour la forme. Celle-ci, par contre, serait triste. On ira leur mettre un centre de bonheur. C'est juste une productrice d'épices jaunes, donc elle est pas très intéressante. Pas plus intéressante que ça. Hop, je revendique cet endroit. Ça rajoute un peu de temps suspense. Oui, on le sait. Bonjour. Bravo, réparer, ravitailler, commerce. Je vous le vends. Au revoir. Alors, celle-ci est triste, celle-ci est heureuse, celle-ci est très triste. On va d'abord aller rajouter un centre du bonheur. Rajouter une usine. Nickel. Travailler plus. Alors celle-ci, il faut même pas en parler. Est-ce qu'il y a encore de la place? On dirait qu'il y a encore une place ici. Travailler. Allez hop. Parfait. On va aller chercher la ressource. Hein. Mille, pas mal pour une petite ville. Oh, la notification Google m'ennuie. Voilà. Hop. Voilà, donc là nous avons notre nouvelle colonie. Qui est reliée par celle-ci, donc bah, très mal placée également. Et eux s'étendent, très bien. Ah voilà, il y a un lien entre celle-ci et celle-ci et plus, ben, voilà. Enfin, entre celle-ci là-bas et voilà. Donc ça va, on s'en sort pas si mal au final. On peut pas aller jusqu'à celle là-bas. On va aller leur faire coucou ici. On est gentil. Voilà, on a des nouveaux gens qu'on pourra exploiter dans ce coin-ci. Également ici. Ah ben on en fait des découvertes. Ah eux ils sont fâchés aussi. Mission. Non. Je refusais, j'aurais autre chose. Diplomatie, acceptez ce cadeau. 10 000. Au revoir. Voilà un tout petit cadeau de rien du tout qui va les calmer. J'ai pas envie de faire une autre guerre. Je dois vraiment vous montrer ce qu'il y a à voir. Alors déjà on va voir celle-ci. Il semble qu'on en ait déjà vu. Ah non, formation galactique rare, donc deux. On a une nouvelle formation et on a un objet ici. Ça a l'air safe. Sécurisé. Là on traverse l'anneau. C'est très mal placé hein, cette planète. Et nous avons un signe de shérif tribal fossilisé. Alors là, si ça c'est pas de la chance, dis donc. Et on va retourner près d'une de ce qu'on a quelque chose qu'on avait déjà vu. Ceci. C'est un trou noir. Touriste 2, d'accord.
Normalement, un trou noir c'est dangereux, mais grâce à notre puissance, et voilà, nous avons trouvé un nouvel outil technologique qui permet de voyager dans les trous noirs. Voilà. Et ici que où va déjà où va-t-on se retrouver, on ne sait pas. On est loin, on est à l'extérieur de la galaxie ici. Regardez la distance qu'on a parcourue, on a traversé deux bras. Ça pourrait être utile d'établir une colonie dans ce coin-ci, par exemple, si on voulait, si on voulait s'éloigner des Grox. Mais nous, on veut pas s'en éloigner. On veut s'en rapprocher. On veut découvrir le secret du centre de la galaxie. Du coup, on va essayer d'explorer un autre trou noir. Quelques autres trous noirs. Voilà, là on a le chemin que ça utilise. Et donc on va utiliser un autre trou noir. Hop, voir où il nous mène celui-ci. Et donc là, vous voyez qu'on se retrouve très près. On va faire une petite exploration. Et découvrir 2-3 planètes. Pas de quoi casser 2 pattes à un canard, 3 pattes à un canard. Mais je sais ce que l'on peut faire maintenant. Hop. Alors, d'abord, on va explorer cette planète. Enfin, ce système. Il a l'air pas mal. On pourrait établir une autre colonie, par exemple, pour attaquer les Grox d'un autre côté. Hop, et là, donc, nous voyons deux lignes qui traversent les univers. Ici, on va explorer ce qui passe sous la main. Hop, petite alerte. Du coup, on fait comme d'hab, hein. On se déplace. Où est notre colonie? Là-bas. On verra si on peut pas acheter quelque chose qui permettrait de défendre la planète parce que cette planète est souvent soumise au pillage. Ça va, ils ont l'air assez calmes. Ils ont l'air de vouloir s'enfuir. Est-ce que son collègue va vouloir s'enfuir aussi? Alors là, c'est une belle question. Oui, le collègue est toujours là. Alors nous allons tester d'autres outils, hein, donc ça va aussi là pour ça. Nickel. Alors, aucun problème, commerce. Déjà on va prendre ça. On va vous vendre ça. Ça c'est quoi? C'est bioprotecteur. Voilà, super tourelle. On va en
acheter. On va acheter un bioprotecteur. Alors, on va le placer dans ce qui ressemble à un ancien volcan. Ça permet d'éviter les catastrophes écologiques. C'est un certain nombre de points de vie, donc il faut pas le placer trop loin des colonies pour pouvoir le protéger. Et ensuite, le super protecteur, c'est pour défendre les colonies. Et donc lui, ça rend simplement un satellite, en fait, qui va tourner autour de la planète. Et ce que nous allons faire ici pour cette fin d'épisode, oui, c'est bien ce que je dis, déjà, hop, nous allons placer une troisième colonie pour que ça nous rapporte 15 épices vertes, au lieu de 10. Alors, on va construire une usine ici. Avec 3 pods, mais enfin 3 habitations. Construire un centre du bonheur. Hop. Un pod d'usine. Là, nous avons un pod d'usine, donc une maison. Un autre pod d'usine. Et une maison. Et un centre du bonheur. Hop. Et quelques tourelles pour bien se défendre. C'est un petit coup ici, enfin c'est un gros coup ici, mais au final ça sera rapporteur. Hop, donc là on n'a plus d'argent. On est pauvre. Et histoire de se rapprocher, peut-être créer une ici. Ça me semble bien, ça pourrait faire hop, hop. Ou alors non. Ah, il nous aime pas, c'est parfait. Ils sont calmés. Nous sommes présentés, nous aiment mieux. Désolé pour vous alors. Hop. Et là, ils nous haïssent. Pas encore. Et ils nous déclarent la guerre, bien sûr. Pour changer. Bonjour. Tenez, qu'il y a plein d'épices. Oui, ici on a un nouvel axe. C'est exactement ce que je souhaitais faire. Et donc on se prend une petite pause, je prends cette planète et on se retrouve après. Et on se retrouve, voilà, du coup on a pris la planète. Comme d'hab, notre force militaire a imposé machin chouette. Bravo, réparer, ravitailler, commerce. Non. Par contre, je prends ceci. Au revoir. Des colonies sur 10 planètes. On en a plus que 10 en planète, il me semble. Donc si vous n'avez pas envie de vous étendre, vous pourriez. Vous devriez même. Hop, hop, je vous vends ceci très cher. Et je vous vends ceci. Au revoir. Si. Je vais rouvrir un axe. Au revoir. Ouvrir un axe avec leur capitale, comme d'habitude. Regardez maintenant, notre empire s'étend là-dessus. Avec ceux 6 qui nous rejoindront bientôt.
Et ceux qui sont par là qui risquent de se retrouver mal. Donc vous voyez, ça est pouf, il blop. On va aller. Des gros blobbers. On va aller leur faire coucou quand même avant de finir. Vous ne voulez rien nous offrir? Non, c'est triste. Hein. Au revoir. Tiens, cette étoile m'intéresse quand même. Hop, je fais bien. Merci d'avoir regardé, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, si c'est pas le cas, laissez un pouce rouge. Laissez vos commentaires, je les lirai avec plaisir et on se retrouve dans le prochain épisode.